Bonjour à tous et bienvenue sur Morning Kiss, l'Institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui, avec Alex Wagner, on avait envie de parler sites de rencontres et notamment de la photo de profil. Parce que croyez-moi, messieurs, croyez-moi, mesdames, c'est un sacré sujet. C'est tout de suite et c'est sur Morning Kiss. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé beaucoup de sites de rencontres et je pense qu'on se doit d'en parler parce que c'est un sujet en essor. Mythique, par exemple, le leader du marché qui a été créé en 2001, a enregistré rien qu'en janvier 2016 une croissance de 30% de leur nombre d'abonnés. Alors c'est sans doute un peu l'effet bonne résolution du nouvel an, mais quand même c'est un chiffre qui m'avait frappé. Et voilà, on connaît tous des personnes qui utilisent ce genre de site avec plus ou moins de succès, c'est vrai. Et deuxième chiffre qui m'a interpellé, Tinder, sur la planète entière, génère 1,5 million de rencontres, de rendez-vous chaque jour. C'est quand même dingue. Et les ratios sont assez différents pour les hommes et les femmes. C'est-à-dire que, alors que les ratios hommes-femmes, l'équilibre est autour de 50%, ou peut-être 55-45 au pire, les ratios de comportement et donc le nombre de likes, de flashs, de smile, de messages, de charme qu'on va recevoir sont très différents. Et entre un homme et une femme à peu près équivalent, cette différence entre les sexes peut se manifester par une variance jusqu'à x10, voire plusieurs multiples de x10 sur le nombre de messages selon si on est un homme et une femme. À commencer par la photo, bien entendu. Bien sûr. Qu'est-ce que tu peux citer, Brenda, comme erreur fréquente par rapport aux photos? Alors, notamment moi qui était sur Tinder, Adopt, Once, etc. Ce qui est le plus généralement déstabilisant pour une femme, même si ça ne concerne pas toutes les femmes encore une fois, c'est la photo selfie de la part de ces messieurs, qui parfois même en photo de profil, la première photo principale. Et cette photo-là, elle peut vous sembler utile, tout simplement parce qu'on voit bien votre visage, parce que vous êtes correctement éclairé. Nous, les mecs, on est assez logiques. Voilà, je veux dire, il faut montrer notre visage, on prend le selfie stick, et voilà, on montre notre visage. Sauf que, on vous en parle souvent chez Morning Kiss, l'attirance féminine, même si encore le cas, c'est pas le cas, heureusement, pour tout le monde, sinon ce serait pas facile. Souvent, elle va se dégager, non pas par quelque chose d'utilitaire, mais par l'impression émotionnelle, sentimentale, qu'elle va créer à la femme. Et ça, ça va passer notamment par l'environnement social dans lequel vous avez pris la photo. Si vous prenez un selfie, ce que ça risque de sous-communiquer, même inconsciemment, c'est que votre vie sociale est assez limitée, que vous n'avez pas de photo de vous avec des amis, que vous n'avez pas de photo de vous dans un parc, que vous ne sortez pas. Souvent, en plus, la photo est faite dans la salle de bain avec la baignoire derrière. Ça, c'est sûr. C'est vrai, je te jure. Ça sous-communique qu'on est propre. Ça sous-communique que vous êtes propre, ça sous-communique rien du tout. En plus, généralement, il n'y a pas de fenêtre dans les salles de bain, donc c'est sombre. Il y a la lumière blafarde en haut. Ça ressemble à l'éclairage d'hôpital. Oui, c'est ça. Ou jaune aussi. Bref, ça dépend. Mais dans tous les cas, ce qu'on a comme résultat, c'est une photo où certes, on voit votre visage, vous êtes éclairé, mais vous n'êtes pas éclairé de la bonne façon. Vous sous-communiquez pas les bons signes d'aisance sociale. Parce que comme on le sait aujourd'hui, l'impression qu'on fait à quelqu'un, on parle souvent de la loi de Mehrabian sur Morning Kiss, elle va passer à 55% par le non-verbal et à 38% par le paraverbal. Et ces 55%-là, ils vont passer par votre attitude, votre sourire, est-ce que vous regardez l'objectif, etc., etc. Et c'est comme quand on va aborder une femme dans la rue, c'est pas votre physique pure qui va compter dans la majeure partie du temps, c'est la façon dont vous allez vous tenir, dont vous allez poser votre voix. Et sur les sites de rencontres, sur les photos de profil des sites de rencontres, c'est pareil. C'est pas votre apparence pure qui va compter, c'est la façon dont vous allez contextualiser votre apparence, et votre physique. Oui, c'est-à-dire qu'une photo, c'est certes un instant donné. Néanmoins, avec cette photo, on doit véhiculer tout un film, comme si c'était une vidéo. Et j'ai bien aimé ta façon de l'exprimer, puisqu'on doit reconstituer via cette photo tout le non-verbal et le paraverbal qui est manquant. Et donc, on doit suggérer tout ce non-verbal et ce paraverbal entre, j'allais dire entre les lignes, mais là on n'est pas sûr du texte, on doit le suggérer dans cette photo.
Et c'est vrai qu'il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'on doit prendre cette photo seule ou accompagnée? Est-ce que ça doit être un portrait ou plein pied? Est-ce qu'on peut utiliser des filtres? Est-ce qu'on peut utiliser de la retouche? Est-ce qu'on doit faire appel à un professionnel? Ou est-ce qu'il y a certaines astuces qu'on peut utiliser pour améliorer rapidement sa photo? Comment est-ce qu'on doit s'habiller? Comment doit-on avoir quelle expression faciale? Est-ce qu'on doit sourire? Et si on sourit, est-ce que c'est un sourire avec plein de dents? Est-ce que c'est un petit sourire en coin? Comment éviter l'espèce de sourire figé qu'on a souvent quand on prend la pose devant un appareil photo? Est-ce qu'on doit faire une grimace pour faire rire? Voilà, est-ce qu'on doit porter ses lunettes? Est-ce qu'on doit les enlever? Il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser et dans lesquelles on peut s'embourber par rapport à la problématique de la photo. Et justement, moi, le conseil que je pourrais vous donner par rapport à ça, c'est de ne pas vous mettre en scène sur une photo. Parce que le but, c'est pas de vendre quelqu'un qui ne soit pas vous, mais de vous contextualiser dans de bons moments de votre vie. Je veux dire, de vous contextualiser dans des moments où vous étiez bien, où vous étiez avec vos amis, avec vos proches, etc. Mais le but, c'est quand même pas qu'on voit tous vos proches sur la photo. Ça, c'est notamment quelque chose, moi, qui ne m'attire pas. Je sais pas si c'est personnel ou si c'est lié à toutes les femmes, mais quand on voit d'autres personnes sur la photo, pour moi, ça sous-communique que l'homme n'a pas assez confiance en lui pour être seul sur une photo. Moi, c'est ce que ça me sous-communique. Je vous conseille pas non plus de faire appel à un professionnel si vous n'en avez pas les moyens ou que vous n'en avez pas le temps. C'est pas quelque chose qui est indispensable. C'est un plus d'avoir de belles photos, mais un ami peut très bien vous faire une bonne photo avec son appareil, son portable. Donc c'est pas le plus important. Ce qui va être le plus important, c'est l'attitude que vous allez dégager sur ces photos. Et pour être un petit peu, pour préciser la pensée de Brenda, dans cette photo, on doit y véhiculer confiance en soi. On doit véhiculer une certaine estime, on doit véhiculer qu'on a une clarté d'intention, on doit véhiculer qu'on sait prendre des initiatives, on doit véhiculer qu'on apporte de la valeur. Comment véhiculer tout ça? Évidemment, dans cette petite vidéo, c'est pas le moment, c'est trop court. Mais la question que Brenda et moi, on voulait te poser, toi qui regardes, c'est est-ce que tu as envie qu'on prenne le temps d'approfondir ces concepts, que tu puisses savoir comment véhiculer tout ce dont on a parlé par une ou quelques simples photographies. Alors, réponds dans les commentaires en dessous, est-ce que tu as envie? Mets un pouce bleu vers le haut si tu as envie qu'on traite cette problématique. N'hésitez pas à nous dire par commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez des idées, est-ce que vous avez envie de nous soumettre vos photos? N'hésitez pas à nous en envoyer pour que nous, on puisse voir ce qui est intéressant. En tout cas, si tu ne l'as pas encore fait, oublie pas de t'abonner parce qu'on met une tonne de vidéos de valeur sur la chaîne Morning Kiss. Et nos adresses e-mail pour nous envoyer vos photos. Elles sont en description. Quoi, les adresses e-mail? Ok, alors, on les met en description. Ouais, ça me va. C'est oralement alex@morningkiss.fr et brenda@morningkiss.fr. À très vite. Bye bye.